L'art est illusion de dépaysement. Pas la peinture de Buren, Mosset, Parmentier, Sorony. L'art est illusion de liberté. Pas la peinture de Buren, Mosset, Parmentier, Sorony. Nous faisons une peinture qui doit être regardée. Il suffit de la regarder. Comme toute peinture. Non. Être regardée en soi, sans commentaire. Pour elle, pour elle-même. Comme un objet, alors. Si vous regardez comme, si vous arrivez à regarder une pomme comme une pomme, vous pouvez regarder notre peinture comme ce qu'elle est. Mais qui ne me dit que vous ne nous racontez pas des histoires? On ne veut pas répondre aux questions, c'est pour ça qu'on ne raconte pas l'histoire. Vous dites, regardez notre peinture. Moi, quand je regarde votre peinture, qui est quand même un peu géométrique, je me demande où est la différence entre ce que ces quatre mousquetaires de la peinture font et Mondrian. Mondrian a fait ça 25 ans avant. Il a fait une peinture avec des couleurs et des surfaces qui ne renvoyaient strictement à rien. Des idées de composition aussi. En plus, c'est très classique. C'est Vermeer, Mondrian. Une idée de paysage aussi, quand même, chez Mondrian. Une idée de représentation. Là, il n'y a pas composition. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait répétition. C'est simplement peinture répétitive. Répétition, c'est mais pas de mise en page. Alors que chez Mondrian, il y a la règle d'or à tous les coins. Pourquoi, là, il y a pas de règle d'or. Pourquoi avez-vous mis votre cercle noir au milieu, par exemple? A priori, pour qu'il y ait comme ça. Une harmonie. Oui. Non? T'en vas dire. Ah, mais tout ce qu'il dit est très bien. Où est-ce que vous voulez en venir? C'est encore une question qui pourrait marcher dans une autre structure. Pourquoi ne faites-vous pas... Au fait qu'on voit nos toiles comme elles sont là, sans nous poser de questions. Oui, mais en même temps, vous vous opposez à quelque chose. En s'opposant, vous vous opposez à toute la peinture du passé, n'est-ce pas? Même du présent. Et même du présent. Enfin, la peinture du présent, sauf la vôtre, pour vous, c'est la peinture du passé. Vous la reniez, en quelque sorte. On est culturellement à la suite de la peinture qui existe. On nie pas la peinture en tant que chose ayant existé. On nie son fondement, l'essence de la peinture. Alors pourquoi ne faites-vous pas un mur blanc? Parce qu'un mur blanc, on peut rêver devant un mur blanc. La preuve, c'est que si vous êtes sur votre lit en train de n'avoir rien à faire et juste allongé, qui n'a pas fait l'expérience de voir sur ce mur, vous pouvez vous projeter comme vous voulez. Oui, on se projette tout ce qu'on veut sur un monochrome. Vous êtes contre l'art? Dans sa fonction émolliente, oui. Ce que l'on fait ne sert à rien. Et c'est le contraire de toute la peinture qui sert à quelque chose.